eons of tyranny, the demon god Adir was finally overthrown by humanity. Though fear of his terrible power endured. And so was formed the Hallowed Sentinels. Our duty being to stand vigil for signs of his return. Even exile to another realm could not silence the fallen god forever. And in time, Adir's malignant influence pervaded the world once more. In his hunger for vengeance, Adir orchestrated the return of his demonic army. Light was swallowed by shadow, and with it, hope. A new, grim champion arises. The Dark Crusader. And perhaps it will indeed come to pass that only they who shun the light in order to fight the darkness possess the power to defy a god. Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne des Jeux du Cygne. Aujourd'hui, le jeu ce sera Lords of the Fallen, le 2, parce qu'il y en a un vieux qui est sorti il y a 10 ans je crois. Mais celui-là sera beaucoup mieux. Je vous mets tout de suite la petite fiche, voilà. Donc, c'est un jeu qui se joue à la manette ou au clavier, mais ce genre de jeu Souls-like est préférable d'y jouer à la manette. Après, vous faites ce que vous voulez. Le jeu est en français au niveau des textes, pas au niveau des voix. Ça, c'est important de le dire. J'ai mis multijoueur. Alors, il y a du multijoueur coop et JCJ. Donc, voilà. Nous, on jouera sans le mode multijoueur. Par contre, pour une découverte, c'est quand même beaucoup mieux. Parce qu'en fait vous pouvez en gros comment ça fonctionne, un peu comme les jeux Souls, et des gens peuvent vous envahir etc et vous casser le cul, sachant que je ne connais pas le matchmaking, parce que si c'est le matchmaking des Souls, quand vous êtes niveau 1 vous pouvez avoir un mec niveau max qui vous tombe sur le coin du rable. Et c'est pas toujours très sympathique. Le jeu vaut 59,99€. Il vient de sortir. C'est très bien. Nous sommes contents. Ok. Donc, comme je vous l'ai dit, on va pas jouer sans être sur Internet. Il va y avoir la création de perso. Et ça va être très cool parce que la création de perso a l'air très très fun. Et encore une fois, on peut faire n'importe quoi. Ils ont une méthode de création de perso assez sympa, vous allez voir. À force d'Eo, les fantasmes deviennent foi, et bien peu obtiennent les révélations qu'ils désirent si ardemment. Dans un conflit entre divinités, les mortels sont-ils de simples pions ? Chers des dieux ou morts incarnés, tout sera consumé. Nous sommes contents, ça.
C'est la joie de vivre. Car elle doit se repaître. Ah, ça sent la joie de vivre. Vous aurez aussi compris que le monsieur en rouge, là, avec ses quatre bras, c'était le gentil de l'histoire. Très très classe, ce perso. Boreas, forgive me, and steer this weapon of deliverance to a worthier servant than I. Mais il a jeté sa lampe. Il va plus rien voir, il est dans le noir. Jackie! Le méchant, oui, c'est lui, c'est le méchant. Never possess the metal for this crusader. You fail. Il en a perdu la tête. Pardon, c'était nul. Alors il y aura peut-être des petits changements de qualité des fois entre les vidéos parce que mon ordi est un peu limite pour le jeu. Là il est en ultra mais des fois ça va peut-être descendre. Donc, création du perso, on va pouvoir choisir notre classe, le croisé obscur. Alors si vous n'avez pas cette classe, c'est normal, c'est parce que c'est la version deluxe. Voilà. Le paladin des croisés obscurs, l'ordre militaire d'élite. Au service de l'église de la Radiance, Orienne, applique les enseignements de l'église et d'Orius par tous les moyens nécessaires. Une classe qui est mise sur la force physique, pour ceux qui préfèrent un style agressif et de cassage de cul. Le Saint Chevalier, un vaillant chevalier dont la loyauté envers la claire et les saintes sentinelles n'a d'égal que sa détermination à vaincre Adir et les Rogars. Cette classe est axée sur les prouesses physiques renforcées par la Radiance. Les Rogars, hein. Attention, comme les enfants. Le guerrier d'une brigade. Un champion endurci des contrées d'Udyeragrogwa, sorti vainqueur d'une épreuve ancestrale à laquelle bien peu survivent. Cette classe dévastatrice mise tout sur la force brute. Pour le meilleur ou pour le pire, elle ne dispose que d'une armure légère. Je tape très fort et je m'en fous des autres. Le partisan du parti communiste, un combattant dévoué de Mondstred, aiguillonné par son chagrin de voir son royaume spoilé par l'occupant. Il manie un fléau d'acier au corps à corps et une arbalète à distance, une classe polyvalente, solide et fiable. Il est très très joli le jeu. Hein. Le Moonsteed Fantassin. Alors lui je l'ai essayé, c'est This is Sparta. C'est très très drôle. Un vétéran de l'infanterie de Mondstead qui a passé assez de temps dans la boue, le sang et le chaos de la guerre pour privilégier l'agilité, la vitesse et la capacité de tenir l'ennemi à distance. Une classe pour ceux qui préfèrent la dextérité et voyager léger plutôt que la force et les armures puissantes. En fait, avec sa lance là qu'il a en main, derrière c'est une javeline, en fait vous pouvez sprinter quand vous faites une attaque lourde, il saute et puis il donne un gros coup de lance, ça fait un peu This is Sparta, j'aime bien. Le rôdeur de plumes noires. Bloodborne, oui c'est Bloodborne. Un membre des rôdeurs d'élite qui patrouille les forêts du fief de King Rangdragon avant qu'un terrible maléfice né du chagrin ne dévaste leur patrie. Chasse facile d'accès, classe facile d'accès pardon, idéal pour ceux qui recherchent la polyvalence et non une approche plus cible. Alors par contre il va avoir du mal à utiliser sa hache là parce qu'en fait elle est prise dans la corde de son arc. S'il tape avec sa hache il risque d'emmener l'arc avec. Le traqueur d'exilés.
Cet ex-assassin impérial, disgracié et banni de sa patrie, est devenu un coupe-gorge nomade qui élimine vite et bien pour une bouchée de pain. Cette classe est difficile à maîtriser, mais d'une efficacité mortelle. Donc là, on voit qu'on commence à avoir des classes avancées, donc certainement des classes recommandées pour une première partie, c'est sûr. Le prophète Dorius, un prédicateur itinérant guidé par sa foi indéfectible en Orius, dont il répand la lumière sacrée. Classe polyvalente, classe physiquement vulnérable, qui s'appuie sur la radiance pour protéger ou calciner les chères pécheresses des hérétiques. Moi j'aime bien son arme, ça a l'air d'être un mec qui est là pour négocier. Et le pyrocultiste, un fervent adorateur d'Adir qui a juré de ramener l'ordre naturel et le seul vrai dieu de l'humanité à sa tête. Classe à haut risque, axée sur la maîtrise du brasier. Moi écoutez, moi je suis pour qu'on apporte évidemment la lumière à tous les infidèles. Alors à mon avis, Radiance c'est les soins, ça c'est la foi, et le brasier c'est la magie brute. Hein. Mais de toute façon on fait ce qu'on veut après dans le jeu, hein. C'est comme un Souls, hein. Vous mettez vos stats où vous voulez. Et le condamné c'est le mec, voilà. Un prisonnier de basse extraction qui a subi des tourments indescriptibles pour un crime qu'il a peut-être ou peut-être pas commis. Une classe pour ceux qui veulent maudire le destin et étrangler l'adversité sans faillir de leurs mains ensanglantes. Ah. Voilà, donc en fait lui il a 9 partout, c'est pour faire les niveaux, le jeu en SL1. En sub level 1. Si c'est possible, je ne le sais pas. Mais nous on va jouer le monsieur qui est là pour évidemment boire un coup, parce qu'il a un tonneau, un couvert de tonneau sur son dos, et apporter la démocratie à coups de marteau dans la gueule des gens. Nous allons pouvoir, une fois que nous avons sélectionné notre classe, aller sur suivant. Attends. Attends. Voilà, on va prendre une... C'est forcément un homme ? Quoi ? Non, je ne peux pas le croire. Alors oui, voilà. Donc, ce jeu a un truc de création de perso assez pratique. Enfin, assez pratique, assez... Donc, en fait, on va créer... On va lui dire de mettre 3 têtes, et en fait... Bah, soit je fonce sur une seule tête, mais en fait vous changez les têtes au fur et à mesure. C'est un peu bizarre leur manière de faire, mais voilà, en fait c'est voilà, vous pouvez mixer, vous pouvez faire des choses très bizarres, mais attends. D'accord. Ah oui d'accord, on est sur ce type de perso. Alors attends. Ah, et mince, t'es vraiment squelettique, quoi. Mais non! Couleur de peau. On peut faire des persos dégueulasses, et ça, on aime. Alors... Il y a un truc qu'il faut que je vous montre aussi. C'est quand je parlais des persos dégueulasses. Voilà. Voilà ce qu'on peut avoir. On aime, hein, évidemment. Les persos bien dégueulasses. Ouais, mais non, ça va pas le faire. Les gros, lui, de base, j'aime pas. Donc, alors, par défaut, oui. Merci. Donc. Ou alors on prend lui, hein. Voilà, on va prendre lui et puis on ira pour casser des culs. Alors, par contre, ce perso. Pourquoi il a changé ? Ah, remets-le par défaut, oui. Mais.
Comment on fait? Verrouiller, déverrouiller. Mais verrouiller quoi? Parce qu'en fait, moi je voulais la couleur de peau en fait, tu vois. Parce qu'il avait une couleur de peau sympa. Un peu, voilà. Mais bon, on va partir là-dessus. On va pas rester non plus 8 heures sur... Hop là. Les tatouages. Alors, ça c'est cool. C'est enfin un jeu où on peut avoir 12 milliards de tatouages. Alors, qu'est-ce qu'on se met? On va se tatouer, hein, moi je vous le dis tout de suite. Ah, on peut avoir des cicatrices. Ça, pour le coup, c'est peut-être pas dégueulasse. Moi, je suis pour... Voilà, elle a pris un peu cher. Dans le dos. La grosse croix. Voilà. Le bras gauche. On se met le quantique. Ah, on peut se mettre des cicatrices et tout, le... Alors... Non, pas des tatouages effacés. Si on met des tatouages, c'est des tatouages... Ah! Le tatouage au chalumeau, évidemment. Moi, je dis, on se met le quantique. Le bras droit, on va se mettre la croix. Comme dans le dos, pour se protéger. La jambe gauche... On va se remettre un quantique et la jambe droite. On a pris très cher. Voilà. Ah oui, d'accord, on peut les voir ici. Ah, et après on peut changer. Ah non, mais... Attendez. Vous êtes en train de me dire que je peux faire des choses comme ça? Attends. Pourquoi ça? Pas l'air de bien fonctionner tout ça. Pourquoi je peux pas changer la teinte? Utiliser la couleur principale. Ah, d'accord, parce qu'il faut... J'ai pas compris. Voilà, un peu de rouge. Sur le bras gauche. Alors, est-ce qu'on peut par contre... Ouais, mais donc ah oui, il faut refaire à chaque fois... On va dire qu'elle se les est marquées au sang. C'est marrant qu'on doit faire utiliser la couleur principale puis l'enlever pour changer. Mais voilà. Et là c'est redevenu blanc, marrant ça. Il a enlevé toute la saturation. Un peu bizarre. Hein. Vous en conviendrez. Voilà. Et là, est-ce qu'on peut lui mettre un peu de sang ou pas? Genre faire en sorte que... Ouais, ça change pas trop. Bon, c'est pas grave. Pour ça, ça change pas, c'est normal, ce sont des tatouages. Voilà, notre perso, voilà, il a un background, quoi. Alors, les cheveux. Faut cliquer à chaque fois? D'accord. Celle-là était très bien, voilà. Alors, couleur principale. Il faut aller vraiment à fond.
Ok, luminosité. Voilà. La petite rouquine. Couleur de cheveux secondaire. C'est-à-dire. Ça veut dire quoi, couleur de cheveux secondaire? Dis-moi tout. Bon, pas grand chose, mais certes. Mettons ça. Pilosité faciale. Peut faire une femme à barbe. Ça y est. Par contre, on va regarder si c'est un vrai jeu ou un faux jeu, encore une fois. C'est un demi-vrai jeu. Ouais, c'est un demi-vrai jeu, hein, parce que évidemment les barbes qui ne vont pas au-dessus de la moitié de la joue, ça n'existe pas. Texture du visage. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Oula. Reste comme ça, ce sera mieux. Âge. Ah, on peut faire une vieille. Couleur de peau, ça ira. Les yeux. Personnalisation avancée des yeux. Quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte? Le nez, les oreilles. On peut changer les oreilles. On peut vraiment faire encore une fois des persos très sympathiques. On adore hein, les créations de persos, évidemment. On peut mettre des tatouages sur le visage. Vous croyez que c'était fini les tatouages? Jamais. Never. D'accord, il faut le décaler un petit peu avant d'aller là. Et sinon, il fait n'importe quoi. Voilà. Un petit tatouage sur le nez. C'est quoi? Ah, d'accord, le nez, c'est les yeux. La joue. C'est marrant, cela on les voit pas. Ah, c'est parce que tu es derrière les cheveux. Hop. Joue gauche. Un petit cantique de plus. Ah bah on est une... Hein, voilà, moi je suis désolé. À un moment, il faut, faut savoir ce qu'on est, quoi. On est une croyante ou on l'est pas. Non mais ça c'est très bien le fait qu'on puisse déjà bien personnaliser... les tatouages, généralement, on a un ou deux. Enfin, ça, par contre, non, pas sur la bouche. Un peu de respect. Ok, le corps, c'est fait. Voilà. Donc, gros problème de ce jeu, par contre. Allez, on va faire le didacticiel. Gros problème de ce jeu.
C'est que au niveau des stats actuellement sur la création de perso, on ne peut pas savoir ce que ça fait. Vous allez me dire la force c'est voilà, mais bref, on peut pas dire. Je veux pas savoir qu'est-ce qui me donne des PV, qu'est-ce qui me donne de l'endurance, qu'est-ce qui me donne de la magie, etc. Donc c'est un petit peu embêtant. On va l'appeler Jacquelinette, évidemment. Yuna, la botteuse de cul. Voilà. Oui. Allez, c'est parti. Cassons des culs. Nous sommes partis pour casser des culs et nous aimons ça, casser des culs. Law, the latest receiver of his grace. Great potential dwells within you, doubtless, for you to be chosen thusly. And so does Aureus' wisdom guide my hand in the bestowment of this subsequent boon. On va quand même jouer au jeu un petit peu, hein, avant la fin de cette vidéo. Your flesh has been made sacrosanct with the mark of the Dark Crusaders. J'aime bien son armure, monsieur. Prove yourself worthy of this gift. J'aime juste pas son chapeau. In the bowels of the bridge. Our work is of the greatest import. C'est moi où on a vu un dragon passer? We are in the caca. Ah mais il fait jour maintenant. Ah bah ça va, le dragon il a dû partir se balader un petit peu. Le jeu est très beau. Hein. C'est bon ? Il était beaucoup plus fluide tout à l'heure. Marrant. Ah voilà. C'est bon. Peut-être le temps qu'il charge un peu les maps. Donc on peut se déplacer, on peut regarder autour de nous. Alors on pourra évidemment prendre son arme à une main ou à deux mains. On va lire le tuto parce qu'il y a beaucoup de choses qui diffèrent d'un Souls normal. Pour le coup. Déjà il y a deux mondes. On va pouvoir passer de l'un à l'autre assez facilement. Appuyez sur RB pour une attaque et RT pour une attaque lourde, mais il faut maintenir. Alors attends, bouge pas. Voilà. Donc, alors, ce qui est commun à un Souls. En haut à gauche, en rouge c'est la barre de vie. En vert c'est la barre d'endurance qui, quand elle se vide, je ne peux plus attaquer, je ne peux plus courir, je ne peux plus esquiver, il faudra attendre qu'elle se recharge. La barre qui est juste en dessous c'est les projectiles, ça je le sais. Vous comprendrez. Le petit point bleu, je ne sais pas. En bas à gauche, c'est les soins. En bas à droite, c'est notre sélection si on est sur la lampounette qui nous permet de voir des choses un peu différentes, un peu bizarres. Et le jet de cailloux. Voilà, parce que lui, il jette des cailloux comme perso. Mais bon, bref. Et en haut à droite, c'est nos âmes. Voilà, enfin, notre argent. Nos runes, nos âmes, voilà. Alors, on va t'apprendre quelque chose d'hyper important. Dans l'eau, tu marches à deux à l'heure. Si tu as de l'eau plus haut que les genoux. Bon, le ciblage, je connais. Comme dans tous les Souls. Tiens, c'est quoi l'attaque? Après une... Ah, oh, mais c'est que tu fais mal, Jackie. Voilà. Donc on peut évidemment retirer son armure pour être plus léger. Ou en mettre qu'une partie. Tiens, on va enlever notre casque. Voilà. Pendentif du paladin. Pendentif simple mais solide qui permet à tous les paladins en rappeler
D'accord. Oui, donc c'est rien du tout. Un crâne presque dénué de vitalité donne 200 points de vigueur. Oui, donc les âmes. Dans le jeu, les âmes, ça s'appelle la vigueur. Allez. En avant. On peut aussi enlever... enlever son... Voilà, on peut courir. On peut sauter quand on court. Ah non, j'ai oublié de sauter. Oui, c'est parce qu'il y a un objet, en fait. Voilà. Un abjuré. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? J'ai chopé un truc qui s'appelle l'abjuré, j'ai bien lu. Lampe, ok. Rosaire du porte-lampe, ok. C'est quoi ça? Une lampe fabriquée par Molu, oui. Un rosaire qui vous donne... qui vous donnait de mener à l'inquisiteur le côté croisé obscur. C'est un militaire d'élite. Purifier les 5 balises. D'accord, donc il va falloir tuer 5 gros boss, c'est ça qu'on est en train de nous dire. Elle permet de modifier la couleur de votre armure. Ah! Ceux qui manient et le faire dans leurs propres intérêts sont parfois vilipendés. Ah. Lâcher, abjurer. On va voir comment ça fonctionne, si on peut vraiment changer la couleur de notre armure. Allez. Quel talent. Les esquives appuyées deux fois pour échapper au danger avec une roulade. B pour esquiver quand on cible quelqu'un. Loupé. Alors je ne sais pas si c'est comme dans les Souls et il y aura des trucs dans les murs. Le caillou de lancer, appuyer, ouvrir l'inventaire, sélectionner les casques que vous voulez modifier avec A et équiper. Gnagnagnagna. Donc, ici j'ai maintenant des cailloux. Donc, coup en munitions, voilà. Coup en munitions 3, coup en munitions 1. Là ça fait puissance d'attaque 115 à 23. Ça fait du sacré et ça fait du physique. Voilà. Le critère là c'est la radiance qui donne des dégâts en plus. Et là, c'est la force. Par exemple, je peux hop, arriver ici. Donc, combat à distance. Appuyez sur la flèche du haut pour passer en mode de tir. Puis sur LT pour utiliser l'arme de tir. D'accord ? Ou le catalyseur de magie qui est équipé. Toutes les attaques à distance consomment des munitions ou du mana de quantité variable. Donc là, on est sur, sur un mode de munitions. Mais peut-être qu'on aura des magies qui nous utiliseront du mana, que ce sera une barre bleue plutôt qu'une barre blanche. Pour les arcs, les arbalètes et objets de lancer, maintenez LT afin de rester en mode de tir. Le menu d'accès rapide, on verra ça tout à l'heure. Utilisez RB pour le tir rapide, RT pour le tir visé. Quand vous verrouillez un ennemi, les deux sont des tirs rapides. Pour les catalyseurs, maintenez LT afin de rester en mode de tir. Et le menu d'accès rapide vous donnera... accès au sort. Non, c'est pas ça, il faut d'abord faire ça. Et donc, je suis pas obligé, je peux donc hop, appuyer sur RT pour bien viser et jeter le caillou. Caillou! Caillou! Et là, je fais. Magie! C'est passé à travers, salaud! Merde, je me suis soigné, j'ai fait de la merde. Je me suis trompé de touche. En avant! Mais j'ai cassé. Il y avait un cadavre ici qui était accroché. Croix en bois. Qu'est-ce que c'est que cette croix en bois? Je ne sais pas. Ici. C'est une arme. Comment je fais pour changer d'arme dans ce jeu? Ça non, ça non. Alors comment on fait pour changer d'arme rapidement?
Oh, un monsieur là-haut. Bonjour. Bah, je ne sais pas encore comment on fait pour changer d'arme, tiens. Comment on fait pour changer d'arme? On verra bien. Alors, là, il y a des petits papillons. Les papillons de nuit indiquent un lieu notable de l'Umbril. Sélectionnez la lampe et levez-la. Bonjour, l'œil invisible. Bonjour. Voilà. Le deuxième monde bien dégueulasse. Et là, on pouvait pas passer. Et là, il y a des trucs différents. Et là... Regardez ça. C'est pour ça que je dis que c'est trop bien. Là, on peut pas passer. Ah non! Mais... maintenant, je peux. Car dans le monde alternatif, ça n'existe pas. Alors, le rond rouge qui est apparu subrépticement sur la personne, en fait, c'est pour faire des attaques critiques. Si jamais il meurt pas tout de suite. Toutes les attaques, tir compris, peuvent être enchaînées pour créer des combos uniques. En outre, vous pouvez changer de posture de combat, combo, avec triangle et ainsi élargir le panel. Tester différentes armes de corps à corps et de tir pour créer un style unique. Ah d'accord, je me bats avec ma... Hey, mais c'est ce que eux ils utilisent, d'accord. Ah, ça c'est cool ça. Je me bats avec ma petite croix en bois et mon épée. Et donc quand je tape... Ah oui, il n'y a pas de changement d'arme en fait. D'accord. Voilà quand je disais que c'était différent des Souls. Et donc là, si je peux me battre avec à deux mains juste avec mon épée ou une arme dans chaque main. D'accord. Bon, les soins c'est avec X parce que je me suis déjà gouré. Ça va m'arriver souvent de me gourir. Sélectionnez votre lampe d'Umberly avec bas et levez-la. Maintenez X pour ouvrir une faille et passer dans l'umbral. Je sais pas pourquoi je dis Umberly, mais c'est umbral. Attention, vous ne pouvez quitter l'umbral qu'à des endroits précis. Donc il faut faire attention et ne l'utiliser que quand nous sommes bloqués, comme ici par exemple. Donc, hop, j'ouvre la faille pour passer dans le monde. Dans le monde pas beau. Voilà. Alors, vous voyez que j'ai une barre grise. Et en fait, la barre grise, c'est de l'érosion, si on appelle ça l'érosion. Et quand on tape des méchants, l'érosion, elle s'en va. Donc il faut casser des culs. Appuyez sur R3, enfin RS, right stick, pour verrouiller. Sélectionnez la lampe d'umbral. Levez-la et appuyez sur RT pour extraire l'âme de la cible. Extraction d'âme. Merci. Et en fait, ça permet d'ouvrir des passages ou de tabasser les gens. Verrouillez un ennemi en appuyant sur RS. Sélectionnez votre lampe. Levez-la, puis appuyez sur RT pour extraire son âme. Quand l'âme d'un ennemi est exposée, attaquez-la pour infliger un effet d'érosion. Attaquez un ennemi sous le coup d'une érosion pour infliger de lourds dégâts. Alors, c'est beaucoup d'informations. D'accord. Ah oui, ça lui fait beaucoup plus de dégâts quand on lui fait de l'érosion. D'accord. Donc ça risque d'être une mécanique qu'on va peut-être devoir utiliser sur certains boss. Drainage. Extraire l'âme d'un ennemi consomme une charge. Sélectionnez votre lampe et levez-la, puis drainez les ennemis et les cloques avec RB. Pour regagner des charges d'extraction d'âme. D'accord. Donc là je fais ça. Et là je fais... Ah oui. D'accord, c'est pas...
ça t'en donne qu'une petite quantité. D'accord. Mais c'est pour éviter d'être voilà, l'érosion. Votre santé est érodée quand vous passez dans l'umbral ou effectuez certaines actions avec votre lampe. On ne dira pas ce qu'on fait avec la lampe. Vous pouvez regagner votre santé en tabassant des gens. En revanche, vous perdez instantanément toute la santé érodée si on se fait toucher. En plus de ce que le mec nous ferait comme dégâts habituellement. Hein. Donc attention quand même. Merci. Donc il y aura peut-être possibilité de s'amuser avec les boss D'accord. Il y aura peut-être moyen de s'amuser avec les âmes des boss aussi pour leur faire de l'érosion et leur faire beaucoup de dégâts. Voilà, donc quand on choix, on peut faire des attaques sautées. Bon, ça c'est pareil, ça c'est la même chose que dans Dark Souls. Un ennemi dont l'âme a été extraite peut être poussé dans toutes les directions avec LS. C'est-à-dire que là, tu me demandes de faire ça. J'ai pas compris. Aïe! Je lui casser la gueule, hein, ça ira plus vite. Ça, j'ai compris, ça, par contre. Un séjour prolongé dans l'umbral attire l'attention de ses hôtes les moins recommandables. Plus vous y attardez, plus les créatures qui vous traquent sont dangereuses. Ah, intéressant. Donc toi, t'es dangereux, c'est ça? Ah non, t'étais pas dangereux. D'accord, donc passer du temps dans ce monde-là va nous faire en sorte qu'on se fasse casser la gueule plus fort. Attention. Et je me demande ça dure combien de temps. Je ne peux pas passer. Bonjour. Ça va ouvrir les passages, nous sommes contents. Le passage. Et voilà. Alors, et donc là, on nous dit que c'est les trucs où on peut sortir de l'umbral. Je sais pas pourquoi je disais Umberly, mais peut-être une Umberly dans mon... Non, c'est pas un prénom, Umberly, si. Kimberly, oui. Voilà. Ah ouais. Il y avait rien là-haut. En fait, j'ai déjà fait le tuto pour voir si le jeu fonctionnait bien. Allez, on ouvre les portes. C'est joli. Oh oui, que c'est joli. En avant. Bon, ça, c'est évidemment... Vous pouvez vous téléporter, voilà, on peut se téléporter là, les connexions, alors que ça c'est connexion internet. On peut améliorer le perso si on a assez d'âmes. Là il me faut 2000 pour changer de niveau. On peut se reposer pour gagner notre vie, nos soins, etc. Voilà, et nos munitions. Mais par contre, on me disait que... Ça change pas grand chose ça en tout cas sur mon armure. Ok. Ah si, attendez. Parce qu'il faut que je fasse ça. C'est ça? Ça a changé quelque chose?
Je sais pas si ça a changé quelque chose. Alors, ça fait quoi? Une relique servant à améliorer, maîtriser mieux la radiance pour en savoir plus. Ah, c'est bien ça, il y a des objets où il va te falloir un certain niveau pour savoir ce que ça fait. Oui. Les journaux. Alors ça fait quoi? À utiliser pour rejoindre le dernier vestige, d'accord. Donc c'est le brasier et la radiance, d'accord. Ah oui, donc là par exemple, on sait pas si ça consomme toutes nos âmes de l'utiliser ou pas. Et là c'est pareil, avec le plus de radiance, on saura... d'accord. Le journal, d'accord. Ok. Carte très précise, hein. Évidemment. Ça. Ok. Alors. Allez. Et on peut... ah oui, on bloque, d'accord. Bloquer en maintenant LB, c'est ce que je viens de faire. Prudence toutefois, bloquer les attaques érode votre santé. D'accord. Frapper les ennemis pour regagner la santé érodée. Avant, vous perdez instantanément si vous faites toucher. Parer les attaques en appuyant sur LB juste avant l'impact pour recevoir moins de dégâts d'érosion et infliger de lourds dégâts de posture à l'ennemi. Toutes les attaques réduisent la posture de façon plus ou moins marquée. Testez différentes armes, ok. Quand la posture d'un ennemi est au point de se briser, étourdissez-le avec une attaque lourde, c'est ce que je vous disais, une parade ou un coup de pied. Assénez ensuite un coup de boutoir à un ennemi étourdi. Quand ils ont le point rouge, ils prennent très cher. Ah, on peut donner... Ok, premier boss. Le boss du tuto. Le boss du tuto. Il est très nul, hein. Oh, attention, mon ami. Eh oui. Je t'ai demandé de rouler en fait. Ah d'accord, je ne le stun pas. Voilà. Facile. C'est normal, c'est le boss de tuto. Le gentil. Give me that lamp. Tu me donnes quoi en échange? Allez, viens te battre. Ouah, espèce de sac à merde. Je te chargerai. Je n'ai pas peur. You. Je suis invincible. Vous pouvez pas le tuer. C'est la mort obligatoire comme dans tous les Souls. Donc là, on va nous expliquer le système de tu regagnes tes âmes quand Ah voilà, je voulais voir un peu les roulades en lourd. Ouais, c'est les roulades à la Dark Souls. Okay. Le système quand tu récupères tes âmes. Voilà, regain de vigueur après la mort. Si vous périssez dans l'umbral, vous lâchez toute votre vigueur actuelle à l'endroit de votre mort. Vous pouvez ensuite la récupérer avec votre lampe de l'umbral en appuyant sur A à proximité. Attention, certains ennemis peuvent la ramasser avant vous, auquel cas vous devrez le vaincre pour la récupérer.
Ça, c'est dans Bloodborne, ça faisait ça aussi. Et en fait, les ennemis avaient les yeux rouges ou violets, je ne sais plus. Toutefois, si vous mourrez de nouveau dans l'umbral, avant de récupérer votre vigueur lâchée, elle sera définitivement perdue, comme dans Dark Souls. Voilà. Là-dessus, on est tout pareil. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui, afin qu'on puisse eh bien garder le reste du jeu pour après le tuto. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.